La vérité, elle est têtue. La vérité, c'est qu'on n'a pas de bonne relation. C'est ça la vérité. C'est acceptable pas seulement pour moi, mais pour le peuple congolais. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a de très bonnes relations avec presque tous les pays de la région. On a 9 voisins, sauf un seul pays. Mais jamais on a entendu publiquement Kabila appeler Kagame mon frère. Pourquoi c'est nous qui sommes bien mon frère? N'a pas antécédent fâcheux, Ali. Je ne suis pas là pour répliquer à mon homologue. C'est quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations. Je saurais comment passer le message autrement. Non, c'est ça, je te dis. Je ne sais pas. La fermeté. Moi, je voulais un président fort. On insulte ton pays. C'est pas une sagesse, c'est un recul. Quand Kagame a lobby au Congo, il n'y a jamais de crime. Kagame était là, il était africain. Attends, l'agression de Félix. Attends, que non, ayara matin à papa naé. Pourquoi yo Félix? Au nom de quoi yo Félix au talent? Au nom de quoi yo Félix, tu sais qu'il dit, président de la République de Brésil, il faut au talent ma relation. Il y a une dominance rwandaise sur nous. J'ai une raison, au vieux dia tabao. Ok, merci. Martin Fon m'a dit, bah mon héros la fou. Mais les femmes nous donnent raison. Donc Kagame s'offre le luxe de faire un rapport interne sur le Congo. Qui peut juger du manège de la MONUSCO? Félix dit, il veut faire état de siège dans l'Est. Mais lui-même fait face à ma multinationale. Où il place à ce que nous avons pas la bango. C'est des multinationales dans l'Est et ça bango. Les 100 milliards rwandais, ils vont récupérer ça triplement. On a jamais été fort. Ton ego sera toujours en position de faiblesse. Qu'est-ce que le Rwanda a fait pour pas reconnaître le génocide dans bango? Ou biso congolais, ton salaté, pour pas reconnaître le massacre. Et ça, on a beaucoup de biso de 93 à 3 Afdel, où les Nations Unies est répertorié et tiennent à 4 rapports mapping. Aux alliés, bah aventuriers. Nous, au Congo, sommes des aventuriers. Nous ne sommes plus une nation. Même Kabila, ton traitant de Rwandais, de tout, jamais a été mis au Kagame dans le stade de martyrs. Pour dire, on détruit tout. Ma conséquence, c'est que Moukeba, il pensait détruire des gens. Passer des trucs faillus ou 50 dollars. Et ça la vraie ou faux, mais Abeli Moutou. Abeli Moutou, Abeli Moutou, Abeli Moutou. Ngata la landigaka, fil d'idées, cybercriminalité, mais là tu viens. Tous ces députés vivent comme ça. Je parle avec beaucoup de sources. Ils m'ont confirmé cette conversation. Sauf Moukouna, mais l'air sextap, le marini. Moukouna. Abara cybercriminalité. Voilà, hein? Ouais. Mais ça y Bande Kobalandi, ba vrai patriote, ba résistant, ba est vraiment bolinga na mboka na binu, mbote na binu, vous allez veler, ba est bosu libaku ya kula na maman Joël Kombe, surtout ya kokoti sanga na bandatu na binu mkolo mwa lelo, na numéro ya sika pour être tozo makanis na ye na mona mboka Yves Buya, ou azali bongo mopandi sango ou ya mi pesa na musala na ye pour na mayetali mboka na biso et surtout dans la vérité, ndé lelo to so na mai matali mboka na biso économie africaine et ke koloba na libanda ya Afrique, tout qu'on soit réaction na ye, tout qu'on obéit la paix à propos. Oyo Paul Kagame a s'y tenir, tout bengi yango insulte et pas y'a pas congolais, mais aussi na prix Nobel de la paix, docteur Denis Mukwege, tout qu'on soit analyse na ye, en rapport na réaction y'a Félix Antoine Tshilombouti Tshisekedi, ekolobi sa baye mboka, mais kasi yambouna pe sa ye maloba. Na ropé sa matondo mingi na yon Joël Gon à gauche, chasseur d'image, joua mi si ma caméra, merci na cordon, pi ma fricou, pe na popo la yombe. Moi na mboka Yves Buya, bonjour. Bonjour maman Joël Kombe. Mikolo belé tout se manka ki nana yo. Ouais, obunga ki, ba tu ba bidire, ba sombi yo, ton dingue. Te, maman, pa sou banga pourquoi? Nazari na déplacement, nazari na Mobembo, nazari na intérieur ya province. Il fallait ça, Moussa Nangaï et tout, quand j'étais vraiment en mission officielle. Donc on a sali 5 provinces. Na kendaki na Goma, Bukavu, na Kotaki Maniema, na Bimi, et puis na Kotaki Tour, et puis Tour na Bimi Mbalamoko, du côté à Bakongo. Besoin un maximum, je crois. Un mois presque. Hein. Ouais. Donc il fallait ça la moussala, la si moussala ngaï. Il est qui bien. Sauf que difficulté, tout, aussi bien, la province, c'est quand même grave.
On vit à Kinshasa, mais la province Moussoumboka, quand tu vas à la province Moussoussou, la difficulté est énorme. Le Tchobo Benganga, j'ai dit, je vais un rapport à mission. Il y a Kendaki, donc, la zone est sans problème. Mais ceux qui mouchent, ils sont en train de se faire. Mais conviction, toujours pembeni à Mafa, toujours pembeni à coordonnateur en exercice, il y a la Mouka. Conviction toujours pour la Congo. Voilà. En tout cas, journaliste patriote engagé, dans le cas de Moussala Naye, qui est réaction Naye, mais qui est en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des économies africaines qui ont discuté les bandes de Mboka en France. Pourquoi? Mais beaucoup discuter l'économie africaine en France, les bandes, ça signifie que les pays occidentaux ont des gérards à l'arabie. Les gens qui ont des gérards à l'arabie, ils ont d'une manière ou d'une autre. La Moni Macron a parlé na président na Tshisekedi qui est président des États-Unis de l'Union africaine va débloquer 100 milliards pour l'Afrique. Déjà la France a peu ça je crois avancement mondial à 33 milliards je crois sur le au-delà Mbongo voilà. Mais ça va après ça va Mbongo bon va récupérer toujours le bandinga na bango ba récupérer ba minerai na ba mine na ba projet d'investissement et puis ça Mbongo buso monde buso kaka to fouta ya ngoraka. C'est ça, l'homme blanc a toujours les monopoles sur nous. Tant que je suis Tchad, il y aura aussi Idriss Déby Itno à Koufa vraiment à l'Iwa Mongoya naturel. C'était pas une monde naturel, la France sait. Tu as vu quand Idriss Déby Itno à Koufi, Macron s'est déplacement à Kéhi qu'on légitime pouvoir et à Monanaïwana. Félix Sassou Koto, président des États africains, président des États Unis africains, bah, il a légitimé en haut. Ça prouve que, au-delà, il y a Mardouzo Salaka, on fait déjà un sommet France-Afrique, au Tomonaki, au Tomonio, c'est un sommet France-Afrique. Bah, investissement, il va payer européen, wana, bah, récupérer Kayango d'une manière ou d'une autre. N'attendant la cour et la science politique, entre les nations, il n'y a que des intérêts. Ma nation est un roi, ma monstre froid, que les intérêts dominent à Bango. Il y a un monde qui a investi 100 milliards en Afrique, il commence à se récupérer en haut, à récupérer le minerai, à récupérer le cuivre, à récupérer le pétrole. Et ils ont un bon abus, ils ont un bon abus. Attends, est-ce que nous avons une guerre dans l'Est? Félix dit qu'il a un état de siège dans l'Est. Il a une guerre dans l'Est. Mais lui-même fait face à la multinationale. Où il place à ce que nous avons un bon et pas à Bango. C'est des multinationales dans l'Est, ils ont un bon. Ils ont Apple, ils ont Ericsson, ils ont Marc Nyos, ils ont un multinational. Sur le bus, on commence au état de siège pour la Goma, dans Nord Kivu. Au état de siège, il y a Ituri, place pétrole, les alliés. Dans Ituri, il y a le pétrole. Là-bas, dans Nord Kivu, il y a les minerais. Mais là, on va remédier comment? Normalement, on va dire que FADC, ma pinga, je vais vous dire que 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 je donner un soutien avec le FRDC. Naza d'accord pour la FRDC et soit essaimé hors de la carte à Estekuna. Mais et l'autre gros la carte à Kinshasa comme exhibitionnisme, triomphalisme, populisme. Vous d'avoir ni gars à la photo capture d'écran, à la le moment Pentagone, oh 100% FRDC maman. On dit comédie, mais sur terrain c'est quel résultat? Sur terrain, ils ont les résultats nini oyoyo et FRDC la biso. Ngai na lingi avant na apporter soutien avec la FRDC et FRDC la biso des titres depuis ba installer état de siège. Voilà, c'est combien de territoires au biso RDR et FRDC te conquérir, te jouer et pas ba envahisseur ba tout ba contrôler ba parti au Israël qui non contrôlé par l'armée loyaliste. Ba zongi na Ituri to jouer quoi. Que l'armée puisse communiquer et tu biso en confiance. Mais ceux qui ba individu vont dire va dire va t-shirt moi et FRDC. Mapinga. Mais comment dans ce couvent maman. Au moins comme populisme. Au moins comme exhibitionnisme et comme triomphalisme. Donc comme une comédie mon homme dans ça là ben dans l'entretemps na est dans ce koufaka. Ben dans ça derrière tous les jours ben tout moment imam mohwat. Ben kuna gelobi. En espace il y a deux jours ben j'ai deux imams par les adef na lou. Maintenant dans l'état de siège. Donc ngai dans ce ma discours moro ya négationniste était. Mais dans ça réaliste.
La lobby gaï avant la côté discours n'anga soutenir soutenir la FRDC. Je suis pour les FRDC. J'encourage les FRDC. Mais je refuse de faire comme les autres qui les font déjà Kinshasa ici. Il y a vraiment maman bimina dans la chambre no boui, au bimina t-shirt ya FRDC, la côte à la coste à FRDC, Pentagone, mapinga té. Ba mapinga, mais la biso résultat sur terrain d'abord et puis tomber au travail beaucoup. Pour dans les sami ba pension maman, ils ont bongo ou ba récupérer ka. Soki na est les lots basés sur plateau sur ba manganèse ba lithium na Tanganyika ils ont ba multinational wana mais on installe un état de siège ici pour faire face na ba regroupe na ba mouvement rebelle wana ba seigneur de guerre wana et à l'entretemps on peut prendre l'argent des blancs hein ba blancs on a bangoni bazali ba vrai bailleur de fonds la guerre à est pour Macron l'a dit que bino vos fans n'aiment en Afrique que vous osez la banque va mobiliser les bino bafons mais ça va mais non oui mais c'est ils ont tout raté pourquoi bah il dit que l'Europe tire ses financements de l'Afrique son financement de l'Afrique tout mon bureau bah non bah loi bah aide bah punir tout et c'est le mécanisme bah pour bah mort en Afrique les 100 milliards rwandais yo parce qu'ils vont récupérer ça triplement. Ils vont récupérer ça triplement. Ah. Bah, 100 milliards, ils peuvent te récupérer l'espace, en l'espace, il y a 3 semaines, 500 milliards. Hein? Bah, au Congo, on aura tel minerai. C'est pour ça que je dis, ici, on installe l'état de siège. Maman, tu as un peu sauté. Maramia, Est et Kuna, ce sont les multinationales. Ce sont les multinationales, Maramia, Est et Kuna. Mais, ils ont toujours combattu les multinationales. Ah ouais, état de siège. Mais, toujours, on a sous son bon, on a bango. Mais, ils vont récupérer leur argent comment? Il y a quoi exploiter ma mangane, ma minerai na biso. Donc ah on a Congo, on a les Apple. Apple bleu ça va iPhone, tout ça va Ericsson, toute l'industrie wana ya ba nouvelle technologie, bangonde baza ba responsable, il y a ba tuerie ba massacre, ba zozo ba terrain, ba exploiter ba minerai na biso. Quand ils vont au Tanganyika, il y a les lithium. Lithium est comme matière ba komosa elango ba véhicule électrique. Quand tu vas en Australie, l'Australie basolongo la système et bah véhicule en carburant, basolongo bah véhicule électrique. Ouais. N'a pas information avant Kabila Akindi. Il avait signé un grand contrat avec une firme australienne ici. Selon mes sources, je suis journaliste informé, pas n'importe lesquels, d'investigation, a signé un contrat où il va exploiter ma lithium. Maintenant les lithium moi tout le monde me dit que yo Australie. Ce sont nos matières premières. Ceux qui me donnent la pression bongo. Il va récupérer ça. Les 100 milliards là chez l'Europe, ce n'est rien. Ils vont récupérer comment ? Par le pétrole ici. Ils vont créer des rébellions en Afrique ici. Ils vont créer des coups d'État pour récupérer leur argent. Donc, là, voilà, moi, ça ne m'étonne pas, les 100 milliards. C'est moi, je dis non. Bisous, même être africain. Bisous, d'abord, bah, congolais. Moi, je dois parler encore du Congo. C'est qu'ils commencent de discuter avec Bayer en Abisso. Commencent de discuter avec nos partenaires extérieurs. Avec tout ce que nous avons comme. Débat c'est autour de la politique. Il faut trop pas débat sur la matière, la minerai na biso. Tout le monde débat sur la diplomatie. Biso va congolais, ba autorité na biso, Félix Tshisekedi, qui est à la tête d'un grand pays plus que le Rwanda, le Burundi, le Uganda, la Tanzanie, plus riche que tous ces pays-là. Qu'est-ce qu'il propose dans ma partenaire na biso? Bah, il nous propose. Mais na lola ba loba qui était à zo revoir ba contrat minier. Mais à zo revoir ba contrat minier, bilo kwana si il gère ça mal, les dogas qu'on a tout au gérant autant, Kabila a tous ses deux chinois. Maintenant, lui, Félix, a l'appui des Américains. Il veut revoir ses contrats, mais là, pour appeler ça aux Américains. Autant qu'il dit, tu y a dit, il y a Mike Hammer, mais ça ne peut pas réviser le contrat Léoné. Quand il a écrit, directement, l'ambassade chinoise avait réagi ici pour dire qu'il y a un comme affrontement. Et vous, il y a des gars collatéraux. Ceux qui sont bien d'accord, ils vont rémunérer, ils vont dire 50-50, je suis d'accord. Et ils sont là-bas dans le bon cas. Mais ils ont un minéraux, poussant le régime, ils sont dedans. Ma multinationale, bazar dedans. Ce qui te gère, ma cambodge va se transporter à l'international. Les États-Unis aujourd'hui trouvent mal ma importation et ma minerai d'abus au Congo. Parce que ma importation chinoise, ma minerai au Congo, ils sont exposés aux Américains. C'est très important, maman. Ça expose les Américains. Parce que tout ça, il y a un gisement minier, mon corps. Oh yo, je te dis, Ezali, dégâts, il y a sous-gisement minier. Yo, on a besoin d'exemple. Tu sais pourquoi les États-Unis ont la COP21 bien qu'ils soient sous Biden. Les États-Unis ont la COP21. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont les plus grands bailleurs de la COP21. Les structures qui gèrent le pays pollueurs sur le climat et tout comme ça. Les États-Unis ont la COP21. Pourquoi? Quand les Américains ont appris
que les Chinois, qui est le premier pays pollueur, la Katia COP 21, Bango Bazo finance la COP 21 pour bar stopper la pollution mondiale. La Chine importe, exploite matière mondiale en Équateur, comme dans une tourbillière. Une matière en Équateur, dans une tourbillière. La Chine va zongo chez Bisso, va zongo en masse, va zongo au long narango, na ba pays na bango. Là, on a un climat tropical, place chaleur et zali. Sur so, tourbillière, on a un zalanine, et captaka CO2, dioxyde de carbone. Quand les Américains ont su ça, ah non, 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 nous on finance la COP 21, bino bo sa anabio, lira bo na biso, mais bozo coopérer avec l'Afrique pour bo lutter contre la corruption, bakata contre wana. Donc nous le Congo, nous sommes un gisement, nous sommes un monstre en gisement minier. Nous sommes un monstre, mais qu'est-ce que nous proposons dans ma partenaire na biso? T'as ma propos yu maloubakia, comment tu brades ma minerie na biso dans les pays étrangers à vil prix? T'as ma minerie na biso comment? Bah, la femme la plus belle au monde donne que ce qu'elle a. Mais comment est-ce que Bissot te comptabilisa, te vende ma minerie na Bissot et pas étranger? À vil prix. Si au monde écoute, tu actifs ma minerie na Bissot, c'est l'État qui donne ça. Mais la Gécamine a comme rara sur ses 100% d'actionnariat, la Gécamine a tiré la rara na 10% d'actionnariat. Mouya Mouyouma a tiré 10% d'actionnariat à Gécamine, par la Gécamine, 10% Moussousou et Kéina Fleurette, 10% Gécamine qui tire un amour. Qu'est-ce que nous proposons? Alors, comme si on veut être un État fort, il faut d'abord tout vantaka de ce que nous avons comme minéré et on va négocier en rapport de force. D'accord. Mais le Congo ne négocie pas en rapport de force. On négociera toujours en rapport de faible. Nous, Mounara, Moutoura Kagame, président d'un petit pays comme ça, quand il lève sa voix, à Niyaraba massacre sur nous, c'est que nous, dans la sous-région, on le rôle que nous, le Congo, devait jouer toujours en route, et on appelle Rwanda, Burundi, Uganda, Angola, jouer en route, parce qu'on n'a jamais été fort, on négociera toujours en position de faiblesse vis-à-vis de nos partenaires. Mais nous, un pays très riche, mais on ne sait pas vendre ce qu'on a à nos partenaires pour créer ces rapports de force. Un pays pauvre vend ce qu'ils ont de plus cher, pour créer un rapport de force. C'est le cas du Rwanda, c'est le cas de petit pays, qui ne représente absolument même pas la valeur du Grand Congo. Merci beaucoup, mon amboka Yves Bouillard, journaliste et patriote engagé. Vous savez, là, le Lénine a coupé sa macane ici. En rapport à ma imatali mboka. Ah, on a Kinshasa, le Congolais, le Télémi, le Tomboki, à moins que je m'entoise à la Congolais, à moins que je m'entoise à la conscience, la maïsali, que les Kanakats en Boka Bisso. Rapport mapping. Ba massacre, ba tuerie, ou ça, chaque jour, la partie Est et République démocratique du Congo. Tout yébi banaba agressaka biso rapport mapping et loba yango me kasi le lengi ba kenda yi kokuta na France ba poser tout pe ba tunika gami mutuna rapport na maye mboka na ye na ye moko akotanga manaka ta rapport mapping alobi n'y a jamais eu crime na kati ya mboka na biso mais n'y a jamais eu crime pourquoi parce que nous avons quel leadership au sommet de l'État quel est le leadership que nous avons au sommet de l'État ce qui kagame à combien vous avez pouvoir, on a fait d'abord tout un crime et ça les majeurs. Nous avons quel leadership au sommet de l'État? Nous avons quelle force? Nous avons besoin de quel rapport de force? Le Rwanda aujourd'hui, a zéro contendre France en dima les génocides. Parce qu'il y a un génocide au Rwanda. La France contraint aujourd'hui la France à ne reconnaître rien. La France reconnaît ça. La France, les Rwanda travaillent. Tous les leaders politiques que vous voyez sur du monde, Nabiso, c'est Félix, c'est Katumbi, quand tu les vois, ils ont mémoré le génocide. Et reconnaissent ce génocide-là. Qu'est-ce que le Rwanda a fait pour pas reconnaître le génocide dans le monde? Oh, Biso Congolais, Togo Salaté, pour ne pas reconnaître le massacre. Et ça, on a beaucoup de Biso, de 93, dans l'entrée Afdel, où les Nations Unies est répertorié et tient dans quatre rapports mapping. Parce que tout ça faible. Faiblesse, la mino se dit à quoi? Tozali, bah aventurier. Nous, au Congo, sommes des aventuriers. Oye, tu es mis sens, il y a patriotisme. On ne connaît pas ça. Je te mange, nous, toujours, tout est déjà mboka. C'est Congo ici. Tout le monde, bon matin, ça n'existe plus. Nous ne sommes plus une nation. Pas s'entretuer, c'est Kagame qui a semé des ordres ici. Il y a un balo, bah, tu vois, nous sommes dans le 17 mai, on a. Ils ont dit que c'était un malheur dans le Congo. Ah bon? Et divisé par les Congolais.
et Kaboul en Boka Nabiso, et tu as tribalisme dans le Congo, et tu as haine dans le Congo, et là, il y a des groupes armés, des groupes étrangers, et là, il y a des infiltrations. Quand on peut pas se planer, il ne faut pas longer la date à 17, mais pas longer la Yango. Mais Kabila n'a jamais trahi. Non, ils nous ont apporté du malheur et malheur ici. C'est l'entrée de l'avenir le 17 mai. La place le 17 mai, bah c'est d'être le 1er février, d'être papa tu sais qu'il y a Koufa. Parce que là, respecter la commune, reste dans la lutte, mais pas d'être le 17 mai. Et là, ils sont malheurs. Donc, quand les Rwanda, bah, ils ont ma dimension à un discours Rwanda à l'international, ça veut dire que nous sommes faibles. Bisomoto a faible, on n'est pas fort. Surtout, le rapport mapping. Les rapports mapping. Kagame dit qu'il n'y a eu jamais de crime. Mais les rapports mapping, qui n'est pas un rapport de Congolais, pondu par les États-Unis, reconnaît qu'il y a eu crime. Quand Kagame hausse la voix comme ça à l'international, c'est-à-dire que nous sommes faibles. C'est là que j'ai dit au président de la République. Ozobe nga biso ba frère no mandoki. Mais Ozobe nga dolo Kagame, mon frère. Biso wa ndolo makila. Surtout Pasoli Boye, Makila et tout consort Boye Boye, Oyo Congolais. Mais vous avez un bandoki. Mais vous avez Kagame, mon frère, how are you? Mais vous avez un bandoki. Même Kabila, Oto Fingaka, tout train de Rwandais. Jamais tout le monde est dans un lieu public à Benga Kagame Rwandais, voilà. Mon frère. Voilà. Même Kabila, tout traitant de Rwandais, de tout. Jamais Aïla Biso Kagame dans le stade de martyrs. Bah, il n'y a jamais Kagame dans cette image. Même Kabila, même du temps de Kabila, tu fais un Rwandais. Mais Kabila, Félix, le président de la République, Félix, il dit Bandoki! Nous, les Congolais, Bandoki, les frères, nous, les Makila. Bah, Chitechu, bah, Chintu. Bah, Pangia Mounou. Bah, Pangia Beno. Bandoki. Mais Kagame, tu l'appelles mon frère. Voilà. Tu vois maintenant là où viennent les problèmes. Voilà. Donc, ce que Kagame a dit, nous ne sommes pas encore un état fort. Jusqu'à ce qu'on réunisse un massacre en Abissou. Kagame a craché sur toute une nation. Et j'ai vu les gens ici se taire. Bazolo Baté. Dans un discours après, j'ai dit merci au président élu Martin Fayulu Madidi. Sa réplique. J'ai dit merci à Adolphe Mouzito. J'ai dit merci à Jean-Claude Katende. J'ai dit pour une fois merci à Jean-Marc Kabound. Oyo a sauvé image à pouvoir à Félix. Parce que tant que Kagame a parlé, dans tout l'entourage de Félix, ils s'étaient tous tués. Félix a parlé par sa monie précieuse à Guimakasi. Il a parlé. Voilà. Kabunda monie, tout sauvé image. Pour la Maramia Est, maman, il n'y a pas de Congolais, il n'y a pas de Lamouka, il n'y a pas de FCC. Il y a Congolité Maramia Est. Fibre patriotique qu'il faut jouer. Donc, quand je vois le président de la République dire aussi qu'il ne va pas répondre au président Kagame, mais c'est grave. Frère. Non, maman, c'est grave en diplomatie. Il devait garder de bonnes relations. Avant, mon amboka Yves Bouya, tu as balancé dans nos vidéos cordon de ma fricou, toujours la réaction. Il y a Kabila, Oyo, le lingue, mon amboka Yves Bouya, le bic, noté, tu traites qui est de tous les mots, malgré ce qu'il est, il reste ce qu'il est. Mais quand même, quand on lui a posé une question de savoir sa relation, la relation à la République démocratique du Congo, à Rwanda, ce qu'il a dit, on se retrouve tout à l'heure. Vous avez rencontré le président Kagame. Est-ce que c'est un pas vers la bonne direction et surtout peut-être ce que nous voulions apprendre de vous, puisque les discours sur la relation de la RDC avec le Rwanda sont très contrastés. Quel est l'état de la relation actuelle de la RDC avec le Rwanda, notamment après cette rencontre avec Hillary Clinton? Écoutez, et à la veille de la conférence? La vérité, elle est têtue. La vérité, c'est qu'on n'a pas de bonne relation. C'est ça la vérité. On n'a pas de bonne relation avec nos voisins du Rwanda. L'idée, c'est de continuer ou commencer, recommencer à travailler pour connaître de bonnes relations, de bon voisinage entre les deux pays. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous êtes optimiste par rapport à cette conférence sur les grands lacs? Je ne sais pas. On verra bien. C'est pour demain, après-demain. Qu'est-ce qui serait acceptable pour vous, M. Kabila? C'est acceptable pas seulement pour moi, mais pour le peuple congolais. C'est une paix juste. Une paix juste entre le pays de la région, pas seulement le Rwanda, mais le pays de la région. Et moi, je suis content parce que aujourd'hui, la République démocratique du Congo a de très bonnes relations avec presque tous les pays de la région. On a 9 voisins, sauf un seul pays.
Alors, ce qui sera acceptable pour moi et le peuple congolais. Voilà, moi n'amboka Yves Bouya ou Yoki réaction à Joseph Kabila, ancien président de la République. Nalobelio Kabila qu'on a traité des Rwandais ici. Aza Tanzanie, aza touti. Mais jamais on a entendu publiquement Kabila appeler Kagame mon frère. Pourquoi c'est nous qui sommes mon frère? N'a pas été dans fâcheuse ali. Toi la haine, ils allaient ba fait, ils allaient même mon collectif. Sauf qu'il y a Israël. Quand un Israélien est né, on lui est ennemi de la Palestinien. Quand un Palestinien est né, on lui est Israélien. C'est vice versa. Nous sommes ennemis de la Bissou, ils sont ennemis de Rwandais. Mais comment Bissou, le président, dit je ne veux pas répondre à mon homologue rwandais? Non! Parce que c'est des la paix et il y a des canaux appropriés. Ouais. Tant que Kagame, il y a des canaux appropriés où je le dirai. Ouais. Tant que Kagame, le baron, en raison de la tu vois, il y a des choses qui est nette. Bonne relation, bonne relation. Non, quand Kagame a vendu Sikoyo, avant de jouer à l'étranger, à l'objet que le Congo n'a pas eu des massacres, Kagame a raisonné à Félix. Kagame a raisonné à que non, bonne relation, bon voisinage. Kagame a raisonné que Félix est son frère. Kagame a parlé au nom du peuple de Rwanda. Est-ce que le renier ça, la Félix, c'est bon? Non, c'est ça, je te dis. Je ne sais pas. La fermeté. Moi, je voulais un président fort. Quand le président dit, je ne veux pas répondre, pourquoi vous ne répondez pas? Ben d'abord, permettez-moi de vous le dire, je ne suis pas là pour répliquer à mon homologue. C'est quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations, je saurais comment passer le message autrement. Ensuite, je dirais que le rapport mapping, c'est quelque chose qui a été fait par des experts de l'ONU. Ce n'est pas les Congolais qui l'ont fait, ce ne sont pas les Congolais qui accusent. Ce sont des gens objectifs qui ont fait ce rapport. Et ensuite... On insulte ton pays. Sagesse peut-être. Et la sagesse, hein? C'est... Non. C'est pas une sagesse, c'est un recul. Pour quelle raison? Tu vois, en France, la mort de Jeanne d'Arc, les combats de Jeanne d'Arc, les Français ne nient jamais ça. Bah, François Bonna, bah, Bunda, pour la souveraineté na Bango. Bah, Français, bah, niango jamais. Tu vas en Allemagne, bah, niango jamais. C'est une mémoire collective. Un Allemand, à Kolinga jamais, soit un Israélien, à Kolinga jamais, demain après demain, un Allemand a craché sur bah, Moroyo, Hitler, à Salaka, ou à Bouma, bah, Juif. Les Israéliens, bah, niango jamais. Jamais. Mais ce que le président de la République a fait, il a fait un recul. En diplomatie, c'est pas bien, on recule. Pour mieux sauter, peut-être. Papa, pour mieux sauter. Il y a moins de pensées, il peut reculer, voilà. En diplomatie, des fois, l'attaque, elle est bonne. Non, attends, on a place. En diplomatie, des fois, l'attaque, elle est bonne. T'as là, je vous parle des relations internationales. T'as là les cas à Israël. Ceux qui vont attaquer, ben, intéressent. Israël fait quoi? Israël attaque. Et puis de négocier après. Il y a comme unité pour une unité africaine. Exactement. Quand Kagame a lobby au Congo, il n'y a jamais de crime. Kagame a été là, unité africaine. Attaque à l'agression de Félix. Attaque à camaraderie à Bango. Camaraderie à Bango. Attaque à Yango. Attaque à non, à Yara Matanga Papa Nae. Kagame a été là, Yango. Pourquoi il y a Félix Fautala Yango? Pourquoi il y a Félix? Au nom de quoi il y a Félix Fautala Yango? Au nom de quoi il y a Félix Tshisekedi, dit, président de la République de Brunei de Gozo, il faut autant la relation en a. C'est un recul en diplomatie. Ça dit beaucoup. Et quand il dit, je ne veux pas répondre à mon frère, car non, tu dois parler. Tu dois dire non du propos, de ces propos du président de mon homologue rwandais, je contredis cela. En français, on dit qui ne dit mot consent. Vous voyez bien, mon maman Joël. En français, on dit qui ne dit mot consent. Donc le président de la République a refusé de répondre à Kagame. Mais vous voyez, l'aspect en Moussouko, pourquoi a-t-il refusé de répondre? Toujours peut-être dans la logique de ne pas fouiner dans le passé. C'est logique, peut-être de ne pas fouiner dans le passé. Peut-être que le jour qu'il y a un rapport de force, au Kagame imposa. Il faut voir ça. C'est que Kagame représente pour la sous-région. Il faut voir ça. C'est que Kagame est avec les Américains. Il faut voir ça. C'est que Kagame est pour la politique intérieure du pays. Dans la politique intérieure du pays, Maman Joël, il ne faut jamais négliger l'aspect rwandais. C'est là que je t'ai parlé que non, la ligne Maman 17, il y a même sur malheur d'infiltration.
yo mona Tshisekedi Kabila wa ku concerner pour un résultat et pour un résultat Kabila timba na Kigali na uzana Kigali pourquoi Kigali Félix a banni ma consultation na pour la consultation atine kim na Kigali pourquoi Kigali. Donc il y a une dominance rwandaise sur nous. Ça signifie quoi? Moi, je l'analyse. Peut-être que, bon, pour qu'on représente la Congo, il faut passer par les Rwanda. Il semblerait que lui-même l'a dit, que mon côté, à Mata, à niveau quoi, que c'est quel, n'importe quel niveau, sans toutefois qu'à passer par lui. Nani? Kagame. Mais Kagame, Kagame, quand Fayou vous disait ça, les Mahatma vous le disaient. Que c'est le cas, vous disiez que c'est les Rwandais qui dirigent ces pays. Vous comprenez, Mme Kagame, il va falloir le blague, mais non. Frère, vous avez dit ça il y a longtemps. Mais il n'y a pas beaucoup de cas, moi. Kagame n'a fait qu'y redire ce qui a été déjà dit par son ambassadeur Vincent Karega. Je t'ai dit, Vincent Karega, c'est un petit ambassadeur. Au nom de quoi Vincent Karega peut s'opposer ici dans ma leader politique à Congo? Toi, tu as vu un ambassadeur rwandais, à cause un ambassadeur congolais, à cause de la déclaration qui gagne. Donc, expulser Mani Militaris. Même Vincent Karega et Azolo Baré tout comme ça. Les rapports de force diffèrent. Dans le milieu, qu'est-ce que nous, Congolais, on propose pour ces rapports de force? Moi, je m'attendais de Félix une réaction forte, musclée, d'un grand Congo, d'un président à la tête d'un grand Congo. Mais à la place, c'est que j'étais désolé. J'étais désolé. Il y a qu'on réagit ça quand on a pas émotion. T'es pas émotion, maman! C'est la mémoire collective. Bah bon, maman, on a mis ça. On a pris ce exemple entre l'histoire bah, nazie. On a pris ce exemple, maman. Les jours où l'Allemand au Yorubu a remettre en cause bah, tuerie juif, bah, bah, ça, là, la Palestine va réagir. À autant la relation n'a été. Benjamin Netanyahu, à autant la relation n'a été Angela Merkel. À autant la parole, il va réagir. Pour dire qu'on garde nos relations en tant qu'État, mais comme il s'agit de la mémoire collective, toi tu ne peux pas cracher sur cette mémoire collective. Et Kagame il a craché sur la mémoire collective, notre président, nous, Tshisekedi, n'a pas voulu répondre. Alors, ça signifie que non, les rapports de force diffèrent. Voilà. Alors il faut bien comprendre qu'est-ce qu'il y a pour ça, Tshisekedi, à l'obaté. C'est ça l'intelligence maintenant. Qu'est-ce qu'il y a pour ça, Tshisekedi, à l'obaté, à répondre à la maman. C'est ça maintenant. C'est peut-être les rapports de force. La dominance peut-être que Kagame a sur nous, sur le Congo. Le rapprochement peut-être aussi que le Rwanda a avec les Américains au Bazali puis allié privilégié à Félix. C'est aussi peut-être la dominance sur la gestion des affaires politiques du Congo que le Rwanda a sur nous. On a pu sur ma fait. Comment est-ce que tout l'axe qui gagne opéra dans le Congo, tout ce que la politique intérieure du Congo qui gagne être informé. C'est ça les vrais problèmes. Donc, moi, j'ai été déçu. Je donne raison des propos tenus par les présidents de la République. Je donne encore raison à Martin Fayoulou. Que c'est le Rwanda qui dirige ce pays. Que c'est le Rwanda qui dirige ce pays. Ah. Tout ce que Fayoulou a l'oubara, tout le monde vient à l'autre à Ranaïe. Mais tout ce que les VD ont fait, c'est raison. Les VD à Tabao. Eh bien, tu as dit que Bélé, tant qu'on a l'oubara, qui sont-ils? Pourquoi ils ne réagissent pas? Non! Tant qu'on vient à l'oubara, on est fou. Fayoulou n'est pas né, il a fallu de la vérité. Quand tu vois la réaction du président de la République, moi j'ai fait les relations internationales, les faciles, ça n'a pas de fermeté. Ça n'a pas de fermeté. Il faut une fermeté. Vous attaquez au Congo, vous attaquez, il faut une fermeté. Pas d'étendue. C'est pas ça. On a dit sous Félix Tshisekedi, on nous a apporté la diplomatie devenue agissante. Une diplomatie agissante, il faut tout reculer. C'est ça la diplomatie agissante. Voilà. Tant Kagame Aloui Makambouna Yewana a craché sur nos morts, à ta relation avec Tshisekedi, à ta liaison avec Tshisekedi, à ta camarade avec Tshisekedi, à raisonner qu'il y a un papa qui est martyr. Comment yo biso photo raisonner on a place à Kagame. Comment nous c'est nous qui devons réfléchir. C'est nous biso photo dans la sucole. C'est nous qui devons regarder nos relations avec Kagame pour nous répondre. Voilà. Mais surtout quand. Attends mais le baka sur la bétio matawa. Personne mais c'est sur ceux qui s'éteignent cette fois il faut réagir. Ce que le Rwanda fait sur le Congo, il faut un leadership fort. Mais la conséquence à la tête du pays,
on a des leaders où la légitimité pose problème. Je te dis, bah, conséquence, il y a moi. Moi, en un mot, Naramounio surtout, je donne raison. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Tala Sikoyo. Qui a zali manipulé, ça c'est la deuxième ou troisième fois. Tala Sikoyo. Les rapports mapping n'ont pas été produits par les Congolais, pas par Denis Mukwege, c'est les Nations Unies. Qui est prix Nobel, qui est prix Sakharov. Mais Yu Kagame, qui t'offre ce luxe pour nous répondre. Et puis, tu sais qui dit Paul Bataille, Kagame, je refuse de s'attaquer à la prix Nobel. Non. Il a dit non, c'est une fierté. Donc, tu veux nous endoctriner à l'interne. Mais à l'externe, maintenant, c'est quoi ce qu'on impose comme rapport de force? Les États, c'est les rapports de force. Avec cette allure ici, les gens vont toujours nous mater, comme on l'Arabie, on va toujours pleurnicher. Pourtant, nous sommes un grand Congo. Donc, moi, j'ai été déçu du propos. L'intervention du président de la République, j'attendais une réaction ferme de sa part, il l'a quitté. Et puis, Lélo, j'ai une raison, au vieux dit à Tabao. Ok, merci. Martin Fon Mabidi, voilà. Qui nous avait déjà tout dit, il y a cela, je crois, 6 mois, en gros, que le Congo est dirigé par les Rwandais. Ce n'est pas Yves Bouya qui a dit, c'est Fallou qui l'avait dit, dans son temps. Bah, mon héros l'a fou, mais les femmes nous donnent raison. Voilà. Merci beaucoup, moi, Namboka Yves Bouya, pour nous répondre à l'invitation. Et bien, bah, Fayoulou, oh, Mama Esther Boubi. Non, Fayoulou a toujours milité pour l'Est. Oui. Bah, Metz, mon ami, c'est Notre-Dame. Bah, marche à Salaka. Oui. Tu vois, il a toujours été au front, il a toujours accordé. Son cœur bat toujours avec l'Est. Voilà. Mais si on regarde l'Est, c'est Kangie. Même Mikolo, le vieux dit à Tabao, a repéré sur le calendrier. Tout le monde a dit qu'il y a 60. Oui. Dans un boucave, il y a un homme de chiffres. Mais c'est comme il y a un matapé pour comprendre qu'il y a ma solo. Il y a un matapé pour. Un matapé pour. Il n'y a pas bloqué. Il n'y a pas qu'un équateur l'autre fois. Non. Mais Albi Suko a bien Okende. Okende na Muzito. Avec les coordonnateurs, l'homme de chiffres, Okende ba mi balé. Voilà. Parce que Bango Mikolo, yo maman, Joël, par contre, ma fierté congolaise. Tout ba kéyi pas Félix. Bon, bah, garder dignité na bango. Voilà. Tu as raison, on a établi dignité, nationalité. Donc, on a établi vraiment et belé tout ça. Nous, on a établi Paul Kagame, ou soutenir l'état de siège. On a poussé, bien que l'obé là, il fallait poser mon tour. Kagame, à cause de l'état de siège, c'est une hypocrisie. Et là, je me disais comment. Ils ont armé les Rwandais, c'est bon, parce qu'on a une place dans la bichotte. Qui traque les F de l'air ici? Ils ont l'armée rwandaise. Ils ont dit l'armée rwandaise, ils vont affronter pour traquer les F de l'air ici. Ils vont affronter. T'as dit, oh, sorry. Oh, et je soutiens. Non, ils ont par hypocrisie. Ils ont berné, mais non, ils se moquent de nous. Ils ont dit, mais ici, on dit la MONUSCO travaille bien. Kagame dit, non, la MONUSCO, il fait même un rapport interne sur le Congo. Donc Kagame s'offre le luxe de faire un rapport interne sur le Congo. Mais qui peut juger du mandat de la MONUSCO? C'est celle tu sais qu'elle dit. Celle son gouvernement. Mais là, lui, Kagame dit, oh, je trouve négatif le mandat de la MONUSCO au Congo. Mais lui peut dire ça. Vous avez dimension pour voir Kagame sur le Congo. Qui peut nous parler des avancements de la MONUSCO au Congo? Seul. Le gouvernement congolais, par des voies officielles, tu sais qu'il y a la limite, soit MONUSCO elle-même. Mais un pays, il y a armé, il y a pays étranger. Azo parlait sur l'avancement de MONUSCO dans le Congo. Vous vous montrez que c'est absurde, je dis que non, la dominance politique que le Rwanda a sur la politique interne du Congo. Ouais. Kagame ne peut jamais dire ça. C'est des propos où il ne faut pas attaquer Koto. Sinon, moi, j'ai donné ma ministre des Affaires étrangères, Baloba. Ouais. Bah, attaquer ma boule. C'est pas lui de le dire. Il dit, je juge les mandats, mais c'est lui qui a des groupes armés ici. C'est lui qui soutient ma mouvement rebelle, là, ouais. C'est lui qui fait tout ici. Il pollue nos provinces, nos frontières ici. C'est Kagame, là. Mais quand il fait un mandat, un bilan sur la MONUSCO au Congo,
au moni dimension politique à Zanango, il y a dominance sur le Congo. Merci beaucoup, mon amboka Yves Bouya. Mais pour finir, il y a nationalité, congolité et tout. On a ensemble déjà des balobaka moukolo moua léli. Pourquoi? Parce que loi, topé proposition à loi où il y a Noël Tchani, yambi yango na assemblée nationale, bali et zali recevable. Alors que Katumbi déjà nationalité na e pose problème, a écarté déjà, ka pose avoir ou se servi na e na magamete l'union sacrée. N'a l'obi maman, n'a l'objectif na vie. Je vais être correct et droit. Ce n'est pas un groupe d'individus, un parti, un individu qui a écarté pendant la course à l'élection présidentielle. Tu vois? Ce n'est pas un individu. Et puis, Moutouazo a apporté projet on a sur la nationalité. Lui-même est américain, Noël Tchani. Il était Noël Tchani dans l'Américain. À cause de il y a Amérique, il y a Trump, il y a Biden, il y a Obama. Il est américain. Et puis, je vois un américain, il ne recevait pas Mboso, tant il recevait un américain. Qui parle des problèmes congolais. C'est quel pays ça? Il faut d'abord ce type-là, Noël Tchani, qui est américain. Avec le Makambo, il y a Congolité, on a Amérique. Ah, mais on est États-Unis d'abord. Il n'y a pas Obama, il n'y a pas Biden. Ah, mais on parle de Congo, il y a d'abord ce type-là. Okay. Et puis, des deux, ce n'est pas à un groupe d'individus, un parti politique, qui s'offre luxe, qui est Karataka, qui est probable de challenger l'adversaire, tu sais quel. Les élections, et ça challenge. Il faut, nous sommes dans une démocratie, il faut laisser tout le monde compétir. Tout le monde compétir. Donc comme dans 2023, tu sais qu'il y a des banques de l'homorité. Il dépasse des banques de l'homorité, on va aux élections. Fayou le candidat, Mouzi le candidat, Bemba candidat, Katumi candidat, Atali Gogodo candidat. Atali Gogodo candidat. Donc, seul le peuple a la souveraineté et la légitimité, il y a qu'on élire mon temps, on peut sa mandat. Au dirigeant en 2023, le peuple a pris ça en Fayoulou en 2018. Seul le peuple a disqualifié Batou. Et non ma prétention et non ma individu. Okay. Seul l'UDPS doit laisser ça. Voilà. Ça va déjà biaiser les processus électoraux. L'UDPS va être sûr d'elle. Si vous avez été bien, vous êtes sur RAM dans Wi-Fi. Vous avez bien, vous êtes sur RAM dans Wi-Fi. Vous avez bien, vous RAM dans Wi-Fi. Si vous êtes sur Nabango, un grand parti implanté, vous avez une élection avec tout le monde. Seul le peuple exclure Batou. Seul le peuple portera son choix. Seul le peuple et non des individus. Écarter des gens, c'est déjà biaiser tout un processus électoral. Il a dit qu'on va avoir l'élection. Okay. La raison est le gros sur deux volets. Premier volet, le deuxième volet, c'est quoi? Il a dit erreur à Katumbi Bango Moko. Quand Fayoulou n'a présent, il a bureau Fayoulou. Il y avait dit à Tabao. Faut la zone brasaillé. Gana ou ta côte dans mon dit les vidéos tout sur. Faut la sala bimba na Katumbi, restitution en voyage n'est pas ça sous. Moi je l'ai dit. Yo ba ngomba ba ba bimba na Katumbi ba la Fayoulou, o toke toke ni nyo sacré. Bimba dit autre ba invitation, moi j'ai autre ba invitation tout kendi. Moi j'ai une invitation. Katumbi wa zolo ba, o te moi je vais soutenir mon frère Félix. Fayoulou leur avait dit n'était. Moi na biwa Fayoulou ngai, Yves Bouya na biwa Fayoulou. Toti kalabli bomoko liboke to créer rapport de force. Rapport de force to créer wana ba problème no yo Katumbi et retrouver solution. Katumbi boyo la Fayoulou. Ami, je connais Tshisekedi plus que vous. Je connais l'UDPS plus que vous. Quand je commandais papa Tshisekedi, il besoin de ma Kabila et tout comme ça. Moi, je savais de l'UDPS dans le terrain. Créons elle, Fayoulou la makamola maman jolie, n'a na bureau ya fait diatabao. Ngai Yves Bouya la bureau ya fait diatabao. To vendi ya deux. Mouta kota ki après, ils allaient qui dit kap nae, viens moi ligne. Fayoulou dit ya kata bemba, a ya Katumbi. Surtout toi Katumbi. Ma problème non la baoule pa pour ma nationalité. Fayoulou avait déjà dit ça Katumbi. Ma bureau la Fayoulou. Ils sont partis pour croyant faire mal à Fayoulou. Croyant déstabiliser Fayoulou. Namouzito. Mais Fayoulou leur avait déjà prévenu que vous allez boire du nord, du noir. Je vais soutenir mon frère Félix. Ton frère Félix, ça vous sent ma camionnette quand on est en course. Ça, c'est ton frère. C'est vrai, ton frère, quand on est en course, voilà. Là où Katumbi et Katumbi regrettent, ils regrettent amèrement. Badou va l'oublier en aïe à moi. Sauf qu'il a eu que la relève d'y a tabou. Aïe que la Fayoulou. Fayoulou a dit créons un bloc. Mais regarde, Makamba, on a Katumbi dans la Réunion sacrée.
même pas Bemba. Azu ba poste quand même. Mais ma poste, moi, quel poste Azu? Azu poste ni. Il a pris quel poste? Azu ba poste ni dis-moi. Il regrette. D'abord, a bomi leadership naé a dit loin pas tu sais qu'il dit a mis bomi na ora naé. Il va partager les mandats avec Tshisekedi. 2023, il n'a aucune garantie qu'il va compétir. Parce que Félix n'est pas bête à fond la même dans Katoumi Boulevard en 2023. Ce qui va yo que la Rafaïl, tout créer bloc, créons un rapport de force sur Tshisekedi. Tous ceux qui nous ont l'ingan vont obtenir ça. Katoumi wana, gai na zoyo ka Rafaïl zo souanaye, fais zo supplier. Yazouba, non, moi je ne vais pas répondre au téléphone. Je vais soutenir mon frère Félix. Je vais soutenir mon frère Félix. Je vais soutenir mon frère Félix. Même Bakou Tabi, il y a déjà Kenek. Comme il y a eu la chance en 2023, Bemba a des problèmes avec la communauté internationale. Ce bien goûté. Il y a eu ma élection, et allié même pas Bemba. Bemba, ma élection est alliée. Parce qu'il a des très sérieux problèmes avec la communauté internationale. Okay. Le massacre à Salawana dans la Centrafrique, beaucoup de sources disent que c'est des banques. Mm-hmm. Beaucoup de sources à l'international, mais sources aussi dans l'ambassade de l'OMI, c'est des banques que le groupe Naye, le Panza dans la Centrafrique. C'est des banques, la plupart, c'est des banques françaises. Mais directement, il m'a libéré, mais au niveau de la communauté internationale, c'est les mal aimés, Jean-Pierre Bemba. Il n'est pas adopté à la communauté internationale. Il y a une élection, il s'en fout de ça. Mais Moutoua Tikali Bemba Katumbi, sur quoi le Katumbi, je te dis, maman, il dépêche son lien. Mais soit qui a eu que la levée de Yatabao, à un moment niveau. Donc, 2023, tu as la répétition en 2018. À l'idée où c'est quoi? On aura un challenge Fayoulou qui s'est créé en 2023. Ok. L'FCC a une candidature. L'FCC va tirer un conditionnel à la Kabila. Va tirer un conditionnel à la Kabila, l'FCC. Ok. Candidature tout Kabila au moins ça. Au moins qu'il y a ça l'alliance na Félix. Soit ça l'alliance na Félix, c'était pour en 2023. Tiké na Félix en 2023. Candidature tout Kabila au moins ça. A Ozoate, l'Ora Chadari. So, va inconditionnel à Félix, va Zaliouana. Ou va tirer un conditionnel à Kabila. Ou va tirer un Kabila. Va moi, il traverse dans la Kabila. Ceux qui vont faire un moment, pour pas suivre politiquement, ils vont chercher une candidature crédible. Okay. Et puis pour se venger avec Félix, les inconditions de Kabila, ils ne supportent pas Félix. Ils supportera Félix. Mais cela ne veut pas dire que Félix a Kabila, il va rater. Mais les inconditionnés, tu vas tirer Kabila, il va supporter Félix. Ce qui fait Kabila, même si a sali alliance de Félix en 2023, ça pourra marcher. Ce qui a sali alliance, c'est. Mais inconditionnel à Kabila, Anna. Pour pas vivre politiquement, ils vont chercher une candidature crédible. Okay. Et cette candidature-là retient ça aujourd'hui. Mm-hmm. Ils vont se ranger derrière Martin Fayoulou Madidi. Oh. Ah bon? Oui. C'est que l'alliance, c'est tout, c'est l'alliance. Mais il y a un peu de ça. Ngaï, dans l'obé Lio, en politique, les alliances se font, se défont et tout comme ça. La pêche analyse mon exact, il y a FCC. Okay. Les inconditionnels à Kabila. Félix Tek, il est là. Ceux qui allient, ceux qui a bombé Katumbi, à quelle élection t'es, Katumbi fera alliance à Rosong la Fayoul. Mais avec le leadership de Fayoul. On met Zokende. Kabila, un journaliste, j'ai analysé. Kabila, ceux qui a monique, non, il y a Félix Mboutou, les autres simbaté. On peut envoyer une alliance comme ça. Okay. Kabila, Katumbi. Hein? Koalisé na Fayoulou pour s'opposer à Félix. Donc en politique, rien n'est exclu. Parce que l'UDPS déjà ton démarraté à Salias na Kabila en 2018. Voilà. Rien n'est exclu en politique. Voilà. Donc la personne qui va porter haut l'étendard, il y a Bakongola en 2023, face à la candidature de Tshisekedi, ça sera bel et bien Martin Fayoulou Madidi. Élimination, il y a candidature, celui qui va éliminer, Bakoéliminer Fayoulou Nani. Dis-moi, l'on va aimer Fayoulou. Commission, ils en ont à l'interne. Bah, dis-moi, Babi, c'est le roman. Dis-moi, sur toi, maman. Fayoulou n'est pas Katumbi. Katumbi, maman, papa, il banité. Fayoulou, il va wapi. Fayoulou, attendre dans la girofante. Bien, bien, dans la girofante. Sur quoi, et l'on a au nom de Bolonga Fayoulou. Il a même été candidat président en 2018.
Katumbi ne l'a pas été. Katumbi ne l'a pas été. On a dit, voilà. Et puis, il a fallu vraiment avoir vraiment. Et puis, on a battu ensemble, on a opposition. Oh, Katumbi opposa. Ah, opposant va dans la Katanga. Et l'opposant va dans la Katanga. Opposant à la Kine. On a emmené l'opposition. Quel opposant va vous mener? Dans de toute l'histoire de la vie politique du Congo, l'opposition, c'est toujours à Kinshasa. Et c'est ce qu'il fallait nous faire. Donc, on a décrit au schéma 2023. Donc, demain, nous aurons Félix ici, avec son bilan qui ne saura pas défendre, avec un Fayulu qui recevra les soutiens des bateaux yo, Barokima Félix. Okay. Et je te dis, la plus sûre, Mabazoua déjà est béné par ma femme. Si Yves Bouya te parle de Fayulu, personne ne peut remettre ça en cause. Voilà. Donc, comme il y a ce qu'émission n'a pas fait. Et même et pas Félix, du camp de Félix. Là, ils sont chez Félix. Bagoyaga. Bazoua chez Mafa. Boutou. Bazoua chez Mafa. Même Bazoua chez Katumbi. Même au Kabiliste, mais conditionnel, Bazoua chez Mafa. Donc, il va porter en 2023 Fayulu les aspirations de tout un peuple face à Tshisekedi qui aura un bilan mitigé à défendre. Voilà. Être un bilan qui sera basé sur les RAM et les Wi-Fi. Merci beaucoup, mon amboka Yves Bouya, cybercriminalité, honorable Mike Moukeba, Yako Lela, bah, capturer mes réseaux sociaux, bah, triquer tina numéro et téléphone pour dire que... Qui te dit que la salle est belé belé, la salle est tout le beaucoup tout le monde m'a tâté. Non, ça, la salle est on a canal président l'obara déjà, que le Konango, le Kopesa Moukeba et l'Orote. L'obara déjà y'a mou. Pour y'a déjà que nous m'a solé, ça va dans la conversation, on va capturer. N'a y'a bi fonctionnement, maman, n'a y'a bi fonctionnement vien en gai. Eh. N'a y'a bi fonctionnement vien en gai. N'a y'a maman, peka wana. Hey, maman, il faut que ma vie n'a pas. Mais ce que la nini, c'est tout simplement pour nous tromper vigilance, il y a peuple ou quoi? Au moment où la vie, c'est pour ça la politique, il y a populisme. Politique, il y a mascara. Ma conséquence, c'est que nous politique, il y a détruit tout. Ma conséquence, c'est que nous pensait détruire des gens. Pensait détruire Fayulu, $50. Mais quel est le désir de Fayulu? Il faut le rester tranquille. Mais il est sur le coin, il a vrai ou faux, mais Abeli Moutou. Abeli Liboma. Et ça, les politiques, ils ne sont pas congolais, qui ne le sait pas. Que cette assemblée provinciale, il a pas copa bon, qui ne le sait pas. Ngata la landigaka, fil d'idée. Conversation, c'est ça. Touche. Détectant, on a touche. Touche. Ah, moi, il y a la file d'idées. Cheminement, ma solo. Hein? Mais, maintenant, il y a petit night. Comment on a fait petit à vieille. Puis petit, il y a déjà ma solo à vieille. Tout le monde a boué. Donc, il n'y a rien qui puisse me tromper de Moukebaï. Sauf le papier boué. Okay. L'article là-dedans, ça c'est Moukebaï. Ça c'est pas Moukebaï. Même sur les critiques, je connais ça. Donc c'est pour dire, quand moi j'ai lu les fils d'idées à conduire à ma camboine, ça ne vient pas à négocier à moi. Mais ça fait ça politique. Politique, il pensait détruire un type comme Fayulu, maman 50 dollars, mais t'as comment m'a rattrapé. Et puis bon suko yo, Fayulu a mati, mais le roi soit Jérôme Abeye, il va disparaître politiquement. Voilà. Il n'aura aucune crédibilité. Donc quand on sera la politique, il y a mascara, au parolara. Politique au Tchéba, Miloko, Nana Moussanto, Mbetaraba frappe. Ma conséquence dans mon yamoyo. Ma conséquence dans mon yamoyo. Sukoyo, et à la Kanyosha. Et à la Kanyosha, mais là tu viens. Et là tu viens, Langaï. Tu vas dire, oh, cybercriminalité, mais là tu viens. Donc, et au moins, nous allons là, et à la Kanyosha, Yo, nous, on s'en a pas si moutou. Mais qu'est-ce qu'on va saluer au Sukoyo? Politique, il y a bien été. Oh, mon chien, on entend ça. Moi, ça ne m'étonne pas parce que tous ces députés ils vivent comme ça. Malheureusement, peuple Azali. Donc, au moment où Dieu sait faire comment, il s'est arrangé les choses à sa manière. Ngaï, j'ai parlé avec beaucoup de sources dans l'entourage. Il y a gouverneur. Moi, je suis même au village. J'ai parlé avec beaucoup de sources.
ils m'ont confirmé cette conversation. Oh. Autant que Moukeba dément cette conversation, beaucoup de sources d'entourage en Gobila, beaucoup de sources m'ont confirmé cette information. Est-ce que vous avez commis des confidences? C'est ça qui est corporel. Mais ceux qui ont cela, ceux qui ont cela, chantage, n'abattu. Maman Joël, n'a plus retourné au Bangui depuis Kala. Ceux qui n'ont vu au message là, chantage. Par conséquence, non, oui. Je dis pas que vient dans la chantage. Mais ceux qui ont message là, chantage, la politique, au comme ça politique corp, par conséquence, non, oui, non, oui. Ce jour-là, je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Je suis mort, 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 il y a un politique qui vient à Moukeba, il y a un même. Tu vois, c'est un groupe. Tu as quel rapport de force? Tu as quelle marge de manœuvre? Tu vois, c'est un populisme. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Marambia vieux, je ne sais pas si été. Ok. Voilà. Parce que la politique n'a pas été tellement écolo trop, je n'ai même plus pas des individus. Okay. Donc, Marambia Moukeba, j'ai compris que c'est une honte pour lui. Il a son épaule dans le blanc, même pas. Mais il doit revoir les fusils d'épaule. Maman dans le bangou sous terre, ils ont politique naïe, après l'union sacrée, on m'a dit que dans le bangou, toujours pour acheter maman Joël. Dans la vie, il y a trois justices. Et la justice, il y a Nzambe. La justice, il y a peuple. La justice, il y a bah, humain, ils ont la ka. Ce qui est mon keba, il peut être le mot, ça n'a pas de lobby. Et comme il y est. C'est là où je dis, il faut revoir la fusil d'épaule de la politique naïe. Voilà. Moi, je ne parlerai plus de lui. Voilà. Parce que parler de mon keba, pour moi, c'est comme si je me rabaisse. Ça fait parler, hein, cybercriminalité. Mais comment un cop cacate? Voilà. Sauf que nous avons l'air de sex tap, le bagini. Cybercriminalité. Ah, bah, cybercriminalité. Voilà, hein? Ouais. Mais ça, you. En tout cas, voilà. Vous y a pas tout le monde qui va prendre l'invitation à la vie. Et c'est que l'eau, ce n'est pas haut, la soukha. Eh, mais, on va dire, c'est pourquoi? Parce que, na franc. Non, na parfait. Je ne sais pas si tu propre. Je ne sais pas si tu es propre. Je journalisme. J'ai mes partenaires partout. J'ai mes partenaires dans le pouvoir. J'ai mes partenaires dans la FCC. J'ai mes partenaires à la Mouka. Je ne suis pas politique, je suis journaliste. J'ai mes partenaires. Je suis partenaire dans le contact au Signaka et tout. Comme ça, faire. Mais je garde mes convictions et je fais en sorte que je suis un peu comme ça. Ok. Merci. Tu vois? Alors, si je suis déjà avec la dimension que j'ai atteint, je ne ris pas bien me conduire. Au milieu de mon enzo, comme il m'a déjà. Dans mon image, dans ma crédibilité, ils ont un peu de bâle, ils ont un peu de moukouna. Mais ils ont un sextap, ils ont un peu de bâle. Ils ont un peu de bâle en communication, ils ont un jeep, un dollar. Ils ont un peu de bâle. Si vous avez la cybercriminalité, si vous avez un peu de bâle, vous avez un peu de bâle. Donc, maman, je le gona, Nazan, un bongo. Je parle. J'ai mes partenaires, je fais un pouvoir. Autre sur l'arabe, deal. Article faut faire la comme moi, na, oui, tu veux la communication, je vais travailler ta communication. Tu oses un service, na, na. Ouais. Tu me payes, j'ai vu de ça, je ne suis pas un mania. Ouais. Tu recours à mes services, c'est très important, maman Joël. Le catégorisme, c'est très important. Au recours à un service, na, na, je fais mon travail, tu me payes ma facture. Voilà. Ma vie, facture dans ta poche, j'ai ma vie, j'ai nourri ma famille, je me construis, je suis comme ça. Donc, autant que j'ai mes partenaires dans les pouvoirs, j'ai mes partenaires au sein du FCC, mon tuto n'est pas là, on travaille, tu localises comme toi. Mais nous, les Arabes, tu reçois tout le monde, de tout le monde en politique. Alors, ça, on l'a engagé. Mais ça n'exclut pas, ça n'a rien varié mes convictions politiques. Mes convictions politiques, c'est avec Fayou Louis Mouzito. Tu vois, ce sont mes convictions politiques, mais ils ont exclu, répéter. N'a-t-il pas commencé à Rotamboula? Par exemple, tu vois, n'a que peut-être, excuse-moi pour le terme, n'a que coucher peut-être une fille dans une terrasse. Je peux faire ça? Non. Hein? Ou n'a que peut-être, ça veut dire que dans la boîte, n'a que boîte, moi, boué, n'a pas de boîte. Non. Attends, on va mettre au bêtis en bata. N'a pas de malangaï. Parce que après, on a répliqué, Yves Boué, tu vois un peu. Et puis, bah, on doit, j'ai fait des moments, il y a vite à l'anga déjà. Ok. Na moto na oti na bagagareka na na moto zabi deux trois amis propres clean tout solo je vais chez moi à la maison mais je me contrôle déjà mais les temps tu te contrôles pas déjà
Est-ce que vous travaillez pour un intérêt non, ou tu te détruis? Tu te détruis. Voilà, merci beaucoup. Mais il faut tout le blague à battre. Il faut la vie. Il faut blague à battre. C'est ça la vie. Il faut la foi la vie. Parce que maintenant, tout le monde aura la vie. Tu vois, faut, moi, je ne me limite pas. Sur la vente, on m'appelle, il y a un travail ici comme ça, comme ça. On discute caché, on discute facture. Là, comme j'ai fait un article, parce que c'est ça mon travail. Mais ça n'enlève en rien mes convictions. N'importe quoi, tu as Félix des fois. J'ai beaucoup de vie dans l'entourage à Félix. Tu écoutes un accord. Mais le tour, ah, Yves Bouya, tu as failli. J'ai dit, tu as failli ou tu es. Et là, je partage les convictions de Fayoul. Ok. Ok. Tu vois Bible dit que non, de ce côté-là, je ne badille pas. Blague exacte. Ok. Tu vois, franchir la ligne rouge. Donc, on discute business, on discute affaires, tu Kati Makam. Voilà. Makam, il y a comment ma conviction. Chacun assume ses choix. Voilà. Merci beaucoup, mon amboka patriote, journaliste et engagé, Yves Bouya, pour nous répondre à l'invitation à Bisson Moukoulou-Mualelo, numéro et téléphone pour nous partager nos mécanismes. N'apprécie vous merci, n'apprécie vous merci l'équipe technique, n'a yon, n'a moussa bozo kousa la maman, je le combe, n'a yon zoba rapport, n'a yon zoba goma, boukavou, itouri, la koti matadi, boma mwanda, un rapport positif sur vous. Merci beaucoup. Monsieur Bozo Salaka, les gens vous apprécient, vous les battez, vous continuez à bon. Surtout l'équipe Nayo, je vois toujours le très dynamique Gona qui est toujours la pointe. Donc, Bossala Moussa, vous faites toujours congolais envers des gens qui réfléchissent, pas avec des abrutis. D'accord. Hein, donc, pour Bazouangaï, je suis au plus 243, 99, 16, 40, 242. On a reprendre, plus 243, 99, 16, 40, 242. Tobengato Solola, Yves Bouya est toujours là en pointe et présent. Avec les mêmes idéaux, avec les mêmes convictions, les convictions derrière les Védia Tabao. Voilà. Merci. Martin Fayoul Madidi et avec l'homme des chiffres, Adolphe Mouzito Fumumpa. Voilà. Merci beaucoup, mon amboka Yves Bouya, pour nous répondre à l'invitation à Bissot. Mal à Pécho, merci. Mal à Pécho, merci. Voilà. Maintenant, nous avons Joël Gonago, chasseur d'images. Je vous ici ma caméra, Cordon Pima Fricou, Popo Layombe, Jacques Makabou, Nabo Santé Christian Boupate depuis Paris. Cette émission est terminée. Christian Boupate. Au bon, avec toi, hein. Papa Yves. Hein? Oh, Yves. Il faut aller voir Christian Bopate. Christian Bopate. Il y a quand même maman comme Joël là. Au bon, avec toi. Au chutara na iraka. Voilà, comprenez la Christian Bopate, la note. Hein? Voilà. Il y a quand même mis sur Christian Bopate. Voilà. On se retrouve pour un prochain numéro. Vergona, toi, c'était sur Christian Boupate. Voilà. Cette émission est terminée. Au revoir. Au revoir.